C'est du vin? Oui, oui, c'est la même chose. C'est la même chose? Il faut une autre différence. Il faut une autre différence. Le vin est plus cher, mais ça va directement au vigneron. Donc déjà, c'est bien, il y a beaucoup moins d'intermédiaires. Et puis, je me suis rendu compte que ça faisait des années que je buvais du vin pensant que c'était du vin. Des vins conventionnels qui peuvent être très bons, hein, mais il faut mettre vraiment beaucoup de moyens financiers derrière. Ou alors, commencer à boire des vins et redécouvrir le goût du fruit, du raisin, de retrouver le goût de la terre. Enfin, de découvrir tout court. Maintenant, il y a un produit dangereux qui sont aussi bien distribués par des gros groupes, vous ne cautionnez sûrement pas. Moi j'essaie de faire des choses propres, donc voilà, il y a plus de risques, peut-être que le prix aussi est un peu plus élevé, mais au moins ça va directement à un producteur qui joue le jeu. Bon, on y prend vise complètement le vin. On va d'abord nettoyer son vin, c'est-à-dire qu'on va l'amener à la vendange, il va être pressé, il va sulfiter, enzymé, on ne dira plus rien dans le vin, si ce n'est le support, le raisin, pas le jus, et derrière on fait ce qu'on veut. Donc nous, on évite ça, c'est-à-dire qu'une parcelle va donner tel goût, une parcelle va donner tel goût, parce qu'elle est à tel endroit, tel âge, telle exposition, tel sol.